Cette fois-ci, je te propose une bossa nova, et oui, une bossa lente. Il s'agit d'un morceau qui a été popularisé grandement par Simon & Garfunkel dans les années 1970 et qui n'est pas du tout une chanson, enfin un morceau plutôt composé par Paul Simon comme on le croit souvent, mais c'est une musique de Daniel Alomia Robles. Alors en fait, à la base, c'était un morceau avec une orchestration classique qui a été repris en musique sud-américaine, puis par Paul Simon et Art Garfunkel, avec des paroles anglaises, et c'est devenu un tube planétaire. Ça s'appelle El Condor Pasa, le Condor passe. Donc, je te joue ce morceau sur une bête de course en si bémol, et ensuite, si le morceau te plaît, et que l'interprétation te plaît, tu vas voir, je vais beaucoup improviser dans ce morceau, je vais jouer les thèmes, et après, plutôt que rejouer le thème après mon solo, je vais continuer à mélanger thème et improvisation. Je m'amuse, hein, pour moi, la musique, c'est comme de la pâte à modeler. Tu as un matériau, tu en fais, tu façonnes ta pâte à modeler un peu comme tu le sens. Okay? C'est ce que je vais faire dans quelques secondes. Et si le morceau te plaît, je t'apprendrai à le jouer. Alors, est-ce que ma version toute personnelle d'El Condor Pasa t'a plu? Oui, super. Alors, comment apprendre à le jouer? Eh bien, en fait, grâce à un cours en 8 vidéos. Alors, d'habitude, je fais 7 vidéos parce qu'il y a 7 étapes pour apprendre à jouer le morceau
de la découverte jusqu'à l'interprétation et même l'improvisation, comme je viens de le faire. Mais là, j'ai rajouté un court bonus, puisque dans l'improvisation, dans la partie solo, on appelle ça comme ça, j'ai utilisé essentiellement, même exclusivement, la gamme pentatonique mineure. Enfin, mineure, ça n'existe pas. C'est soit majeur, soit mineur, mais mineur. Donc, la gamme pentatonique mineure, et je te donne un cours complémentaire pour apprendre à utiliser cette gamme. Voilà, donc, tout simplement, pour pouvoir acquérir ce cours, eh bien, si tu es sur Facebook, tu cliques sur le lien qui est en haut de cette vidéo. Si tu es sur YouTube, soit sur le lien qui est en bas de cette vidéo ou sur le « i » comme invitation. Et n'oublie pas que si tu prends le cours cette semaine, tu bénéficies d'un tarif réduit, puisque c'est la tradition dans l'École internationale d'harmonica. Chaque fois que je lance un cours ou une formation, il y a un prix de lancement pendant une semaine. Voilà, voilà. Donc, je vais te donner les liens ou le « i » comme invitation. Donc, amuse-toi bien avec ce morceau et nous nous retrouvons la semaine prochaine, samedi. Oui, samedi, oui. Mais samedi, midi.